Oraya Gozaima, j'espère que vous allez bien, c'est Mai. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Ocarina of Time, donc 12e épisode, si je dis pas de bêtises, parce que moi et le comptage, ça fait deux. Donc, on est donc revenu au temple de l'esprit en étant enfant pour pouvoir enfin débloquer la suite de l'histoire. Donc, on va faire attention parce que à chaque fois, on se fait attaquer par ces peaux-là. Et on va tout de suite monter dans cet endroit. Et là, on a une dame. Une jeune dame. Tu es nouveau dans le coin, gamin. Que veux-tu? Voir le temple. Tu n'es qu'un gamin et les temples, c'est pas pour les gamins. Pardon, madame. Je cherche les sages. Quoi? Les sages, c'est quoi donc? Ici, il n'y a que des voleurs. Bon, bah alors, je me balade, en fait. Tu te balades. Tu n'as donc rien à faire. Ça tombe très bien. J'ai un petit service à te demander. En fait, juste une question. Tu ne serais pas un des soubires de Yardodov par hasard? Yardodov, je le hais. Oh oh, s'il n'a pas froid aux yeux, j'aime ça. Je me présente, mon nom est Nabolu, la Geluto. Je suis une voleuse solitaire. Mais attention, Yardodov et moi-même sommes des voleurs, soit, mais je suis très différente de ce chacal. Yardodov et ses affames serviteurs volent les femmes et les enfants. Ils commettent parfois des meurtres. Sais-tu que la race des Geluto ne comporte que des femmes? Un homme Geluto n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Nos lois sont claires. Cet homme est né pour être roi des Geluto. Mais je refuse de jurer allégeance à un homme aussi vil. Je parle, et au fait, quel est ton nom? Link? Waouh, tes parents ont le sens de l'humour? Quel drôle de nom? Enfin, peu importe. Rends-moi service, veux-tu? De l'autre côté de ce passage se trouve un trésor. Peux-tu me le rapporter? Ce trésor, c'est les gobelets d'argent. En les portant, n'importe qui peut déplacer d'immenses objets. Non, gamin, ne pense même pas les garder pour ta pomme. Les gobelets d'argent sont trop grands pour tes petites mains. Sois un gentil petit et rapporte à tata Nabolu. Yardodov et Soubir ont élu domicile dans ce temple. Grâce aux gobelets d'argent, je pourrai m'y glisser discrètement. Une fois sur place, je déroberai leurs trésors et saccagerai leurs plans de conquête. Alors, veux-tu m'aider? Bah oui. Merci bien, gamin. Nous allons mettre une de ces pagailles dans les affaires de Yardodov, on va bien rire. En échange, si tu me rapportes les gandelets d'argent, je te donnerai un petit bisou. Mais moi, je veux pas un petit bisou, moi, je veux pouvoir accéder à ce temple plus tard, en fait. On va essayer d'être assez vigilante. Alors, je change juste mon bouclier avant de me faire cramer mon bouclier. Éviter de se faire bouger un bouclier. On va prendre le lance-pierre. On va fusiller ces chauves-souris là. Voilà. Lui, il va nous emmerder. Voilà. Pique à la cour. Attention. Oula. Je me fais piquer le cul de partout. Par des pics. Alors, à gauche ou à droite? On va commencer par là. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok. Alors. On a ça. Heureusement qu'on a ça. On l'a récupéré, du moins. Pour allumer les torches. Le boomerang. Moi, je t'ai pas vu. Mais... Par contre, comment je fais pour... Je peux pas le voir là. Ok, bon. On ira après. On va aller par là. Oula! J'ai peur. Comment ça, je dois me battre un squelette alors que je suis toute petite? En plus... Mais... Ah bah c'est pas moi qui l'ai fait tomber, il est tombé tout seul. Hein. Je sais pas pourquoi je dois le lancer dans l'autre sens alors que...
aucune logique, mais c'est pas grave. Si je prends ça... Voilà. Et je récupère le petit cœur. Purée, mais j'en ai marre de ces pots qui m'attaquent là. Je me fais agresser par des petits pots. À quel moment? L'autorisation même... Je crois qu'il y a un espèce de anibis là, au loin. Il va m'attaquer, il va me lancer de la flamme dans la poire. Comment ça? Ah ouais, tu veux jouer? Tiens, dans ta poire. Voilà. Fallait pas me chercher. Il m'a trouvé en même temps. Prends garde à l'ombre des monstres qui tombent du plafond. Ah merde. Alors, attendez. Oulala. Attendez, on peut pas faire deux choses à la fois. Attendez, oulala. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, je suis riche. Pas assez riche, hein. On récupère une petite clé. Je récupère ça. Non, la dernière. Elle est par là. Par contre, je comprends pas pourquoi ça me... Ta sœur. Pas sûr que t'aies une sœur, mais c'est pas grave. Il nous fallait absolument une clé pour repasser. Au suivant. Alors, chose importante, éliminer les araignées qui se trouvent sur ce mur, sinon on va se faire attaquer. C'est connu. Pas la peine de tenter le... J'entends une sculpture là. C'est une blague. Merci. Il doit y avoir quelque chose à faire déjà. J'ai peur. Oh! Il y a des bugs dans ce jeu ou quoi? Ça c'est fait. Maintenant. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Voilà, qu'est-ce que je me dis? Ah, il y a deux trésors. Là, c'est un rubis, et là... Ah, des missiles ténus. Ça va être tellement pratique. Voilà. Et on active le soleil pour ouvrir la porte. Je vais remettre mon boomerang. Quoi? Ta sœur à Balbert. Oh l'enfoiré! C'est pas très simple. Il m'a eu à revers. Alors, toi d'abord, on va te pousser. J'ai l'impression que... Il est à l'envers, le...
Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Ah oui, cet endroit. Quelle galère. Là, c'est pour qu'elle nous laisse tranquille, parce que sinon, c'est une galère. Ya! Monte. Il y en a une par là. Non. À chaque fois, je vais trop près. Super. Voilà. Est-ce que j'ai des bâtons même? Ah, c'est bon. J'ai hésité pendant 2 secondes si j'avais des bâtons. Ah, là, on a une torche. Là, on a une torche. Et là, on a une torche. Hop. On récupère le petit coffre. À suite. Une petite clé. Là, on a un rayon de soleil. Donc, je suppose qu'il va falloir qu'on prenne le bloc qui est là. Qu'on tire. Allez, le soleil. Voilà. Wouhou ! J'ai failli me faire piquer encore. La 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 la. Ah, j'entends que... J'entends une scutula. C'est un train en breton, on va récupérer la scutula. Et c'est parti. Prochaine étape. Ah, cette étape là. Parlez-en. Pardon. Oh, j'avais oublié qu'il était aussi rapide. Je prends des risques. Allez, viens. Top. Voilà, merci beaucoup. Esquive. Oula. Oula là, je prends des risques. Attention. Il a failli me toucher. Vas-y, en passant. Elle est énervée, Oula. Eh oh. Va falloir vous calmer, monsieur. Je savais bien que j'allais me prendre un coup sur... Oula, par contre, il est énervé, lui. Oula, oula, oula. Fermé. Oh là 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 là. J'aurais essayé. Allez-y, monsieur. Comme ça, je récupère les cœurs.
Je récupère les cœurs, mais je me les prends pour autant. Venez, monsieur. Voilà. Voilà. Merci. Très aimable à vous de me donner des cœurs. Ça me fait très chaud au cœur. Le jeu de mots. Bonjour Link. Oh non, j'ai cru qu'on serait, tranquille, mal. Pas du tout. Content de me voir. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression que c'était pas hier. Le temps n'a aucune prise sur toi, comme c'est étrange. J'ai toujours cru que le voyageur du temps n'était qu'une légende. Link, tu es devenu un vrai héros. Le destin d'Hyrule est désormais entre tes mains. Le moment est mal choisi, mais voici un dernier conseil. Deux puissantes sorcières habitent dans ce temple. Pour les vaincre, il te faudra utiliser contre elles leur propre magie. Houhouhou. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Je garde un œil sur toi. Houhouhouhouhou. Il ressemble à l'Olu, là, le sage qui nous a parlé. Ça se trouve, c'est lui. Hein. En forme de hibou. En mode, il a toujours veillé sur nous. Sur le héros du temps. Et du coup, vous trouvez les gantelets d'argent. En les portant, vous pourrez soulever d'énormes objets avec art. Mais ces gantelets sont trop grands pour vos petites menottes. Et vous avez promis à Nobolu de les lui rapporter. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Hé, lâchez-moi! Non! Ok. Yeah! Laissez-moi partir! Oh là là, oh là là, oh là, what? Oh Nobolu! Créature démoniaque, larbin de garnon d'œuf! Link, fuis cet enfer, vite! Ces sorcières, elles utilisent leur magie noire sur moi! Quel enfer! Bande de sales gosses! Sale sorcière là! Ah, et on va éviter Link. Là, tu vas te casser la gueule, soi-disant en passant. J'ai envie de te casser la figure. Je t'en prie. Et du coup... Du coup, bah... Je récupère des petits cœurs en même temps, hein, soit dit en passant. Je crois qu'il faut que je... Ah! Je crois qu'il faut que je retourne dans... Au temple du temps pour me remettre en enfant. En adulte, pardon, en enfant. Je suis déjà en enfant. Normalement, si je dis pas de bêtises, hein, on va aller récupérer notre épée pour devenir de nouveau Link adulte et retourner au temple de l'esprit en étant adulte. On récupère ça. Et hop là. Hop, la petite mélodie. Non, c'est... Je crois que c'est une des seules mélodies que j'ai retenues dans ma tête. J'ai pas besoin de regarder. C'est parti. Ouh, esquive à gauche, esquive à droite, esquive au centre. Et... Pas deux fois les enfants. Pas deux fois. Alors, là, on peut plus aller par là. Ouh, je peux pas vu qu'on pouvait les réveiller, ces trucs-là.
Oh, waouh. Ça sert à quoi, du moins? À rien du tout. Et maintenant qu'on a les gandelettes, de force, là, on a récupéré d'argent. Qu'à la base, on devait donner à Nabolu. Et bah, du coup, bah, c'est nous, on les récupère. Et on peut déplacer des choses. Au plafond. Allons récupérer. J'adore, l'épée elle est deux fois plus grande que le socle de l'épée, mais elle rentre dedans. Ah oui, mais comment je fais pour y accéder? Quelqu'un m'explique? Alors là, je suis bête. Oh là là, et je réfléchis pas en plus. Pendant 12 secondes, je fais comment? Mais en fait, je viens seulement de penser que j'ai un grappin en fait. Donc en fait, c'est tout simple. Et du coup, on récupère la boussole. La boussole. Par contre, je crois que j'ai oublié de récupérer la carte à un moment donné. Pas très grave, on va la récupérer, hein, mais... Ah, oh, encore là, toi. Par contre, j'ai pas du tout de clé. On a récupéré la boussole, mais pas de clé. Ah, là. Oh, attendez. Hop. Là, il faut falloir le jouer le chant. Non. Là, je pense qu'il faut la récupérer avec les bottes. Voilà, bien sûr. Proche, comme d'hab. Non mais t'abuses quand même. Non, 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 non. Je l'ai entendu mais au dernier moment. Bien sûr, il m'a piqué mon bouclier. Ta sœur a pas peur. Rends-moi mon bouclier tout de suite. Non mais oh. Je te permets de me piquer mon bouclier là pendant 2 secondes là. Quoi ce pins? Pas hein. Piquer mon bouclier, ils veulent me cramer mon bouclier. Oh. Regarde, non, 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 pas encore, pas encore, pas encore, pas encore, j'ai dit. Non, 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 non.
Je me suis trompée. Attendez! Non mais... Bon ça, ça sert à rien mais... Attendez, est-ce qu'il n'y a pas des araignées dessus parce que... Non. Ah, cet endroit. En plus, ici... Non, c'est absolument pas ça, mais c'est pas grave. Je crois que le bon soleil... Et si c'est pas de bêtises... Voilà, c'est bien. Là, on sort de là. Je suis là. Ah, ok, j'ai cru que c'était... Non, 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 arrêtez de m'agresser, non, d'un oiseau bleu. Pardon, c'est ma façon de dire les choses. Alors, tac, on va faire ça. Et hop là. Normalement, c'est bon. Ici, on va faire le chant de la berceuse Zelda. Petit trésor de l'autre côté de la main. Alors là, par contre. Heureusement qu'on a le grappin. Hein. La petite clé pour ouvrir une porte. On va descendre. Moi qui a une cible ici. Là où si vous vous ratez plusieurs fois. Il a été mon cas. Là, il y a un trésor aussi. Par contre, pourquoi on a... Bon, un rubis, ça sert à rien que je récupère depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Ah, ça c'est pour ouvrir la porte d'en bas. T'aurais pu te rattraper, les Inca. On va d'abord faire en haut. Après, on fera en bas. Oh, pardon. Ne m'attaquez pas. Oulala. Alors là... Les amis, ne bougez surtout pas, j'arrive. Les bombes. On est tranquille. Et là, c'est pour ouvrir. Non. C'est pour tuer les bestioles, mais bon. On n'a pas vraiment eu besoin. Par contre, j'ai pas de clé, donc il faut qu'on aille par là. Ah! Alors là. Ne vous énervez pas. Oula, oula, oula. Je crois qu'il va falloir que j'en bouge un. Je
C'est une vraie galère. Ah non, oui. Oh là là. Quel enfer à chaque fois pour rentrer dedans alors qu'il faut utiliser les bonhommes, alors qu'il suffisait juste d'avoir un bonhomme. Et en plus je me suis fait rétamer. Et bien sûr, il faut que je me batte avec lui alors que j'ai pris déjà cher. Sérieux? Oh waouh! Trop bien cette épée Big Goro en vrai! A fait la tarte! La tarte au citron, la tarte au beurre. Pardon. Ah, ah oui, oui, je sais. J'étais en train de me dire pourquoi dans un coffre alors que je suis à seul droit de me rappeler après avoir vu le dos de Link. Vous trouvez le bouclier miroir. Ce bouclier peut réfléchir lumière et énergie. Voilà pourquoi. Voilà, voilà pourquoi. Je me disais aussi. Alors, par contre, c'est pas là, c'est dans quête. On a un magnifique bouclier rouge. Il est plus grand que Link, mais on ne dira rien. Non, j'ai plus envie de jouer avec vous, là. Voilà, 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 voilà. Voilà, du coup. C'est pratique, au moins on est plutôt tranquille. Là, je pense qu'on a une petite clé pour ouvrir la porte qui nous reste en face dans l'autre pièce. Et là, on va pas pouvoir se rater. On devrait le faire quand même. La confiance règne avec moi-même. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, mais arrêtez de m'attaquer là, bande de salopiotes. Oh, putain de pique de merde. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, j'en ai marre de ces putains de piques. Ça me casse les noix. Faut le dire au bout d'un moment. Passons là-dedans. Hop. Alors. Alors déjà, chose à faire. Des bombes. C'est des fausses portes. Dans des fausses portes. Dans des fausses portes. Les casser. Et en fait, elle se trouve juste. Alors, on va faire hop, 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 hop là, hop. Je récupère la clé du boss. Vous trouvez la clé d'or, vous pouvez désormais accéder au repère des maîtres des lieux. Maître des lieux. Ah. Alors on a quoi? J'ai l'habitude de me faire agresser par des... Par des pots. Tout est normal.
faire agresser par des pots, encore une fois. Super. Oh! Non mais vraiment... Est-ce qu'on peut, en parler de... Je crois qu'il va falloir que je prenne une bombe. Ça qui se reflète. Oula, j'ai peur. Voilà. Bon, ça. Voilà. Retourne dans la pièce pour pouvoir aller éliminer. Vous avez oublié ce pot. Sinon, ces pots, ils vont m'agresser longtemps. Arrêtez! Voilà. Oula. Là, on descend jusqu'à la statuette de la femme. Et là. Tout simplement. Et on se trouve directement à la porte du boss. Est-ce que on est paré? Oui, on a deux fées. On a. Des arcs, on a le grappin et j'ai mon bouclier, donc let's go. Ok, ok. Tiens, 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 voici de la visite, Komé. Nya, 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 nya. De la visite, en effet, Kotake. Je suis dans le rôle des sorcières. Qui es-tu, jeune impudent, pour t'introduire dans notre temple? Une bonne correction, oh oui, une bonne correction. Nya, 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 nya. Esclave, entends-moi. Mon verbe est ton ordre. Tue ce jeune sotte. Tue! Elles vont se calmer les deux là, les deux sorcières là? Il te manque quelque chose là. C'est mieux, je trouve, c'est beaucoup mieux là. Donc. Allons-y! Yahoo! Pardon, excusez-moi. Ah, on va se calmer. Oula, oui. Ah non, Nabolu. C'était toi. Non. Tiens, tiens, le charme est brisé, Komé. Ce n'est qu'une jeune fille, mais grande est son influence au sein des Gelto Kotake. Elle se doit de servir la noble cause du seigneur Gardondorf. J'ai le nez bouché, j'arrive plus à le faire. Utilisons le sort une fois encore. Gna, gna, gna. Je sais pas le faire, c'est vraiment... Je me sens embarrassée pour vous, en vrai. Même pour moi, je suis embarrassée. Hein. Heureusement que je re-regarde pas mes vidéos, parce que... À part quand je fais les montages, parce que sinon... Ouais. Je me cacherais dans un trou de souris. C'est bien aussi. C'est parti, let's go.
Oh, waouh! Quel jeune insensé! Venir de son propre chef, souffrir en sacrifice au grand gardon d'œuf. Oui, madame. Le souffle des flammes consumera son âme. Pardon. La morsure de ma glace pétrifiera ses os. Elles vont se calmer, les deux sorcières, là? Donc, vous l'avez compris, notre boss, c'est Twin Rova, les sorcières jumelles. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir... Il faut qu'on prenne leur glace pour viser l'autre sœur. Je me suis trompée. Vas-y. Voilà. C'est comme ça qu'il faut à peu près faire. Si je me rate... Ah. Elle est où, sa sœur? Mais j'ai visé sa sœur, c'est une blague! On aime quand ça bug, parfois. Là. Ensuite, let's go. Hélas, voilà, du coup, bon, cette fois, il y en a marre. Elle s'énerve. En avant, Kome, Kotake et Kome, double fusion maléfique. Et là, je la trouve beaucoup trop stylée. Ah oui, elle est grave stylée. Là, il va falloir, du coup, enchaîner, je crois, 3 fois dans mon bouclier. Ou 2 fois. 3 fois. Donc la 3e fois, elle lance la glace. Ta sœur. Et en plus, ça fout de ma gueule. Ah ouais, non mais vas-y. Je t'en prie, rigole. Moi, ça me fait pas rire. Allez, lance du feu. Allez. Non, non, non. Putain, c'est pas possible avec cet épée de merde là. C'est bon, tu m'as saoulé. Non, non, non. Par contre, non. Et voilà.
Et pour moi, je suis pas morte. Du tout. J'ai pas utilisé une seule fée dans ce combat. Un peu galère parce que je sais pas ce qui se passait. Elles étaient buggées, les deux là. Les deux sorcières là. Bah alors, vous avez l'air bête, dis donc. Oh oh oh, quelle petite peste cette fois, c'est du sérieux, n'est-ce pas, Kotake? Hein? Hé, hey, Komei, t'as un truc au-dessus de ta tête? Ah, regarde toi aussi, c'est quoi ce macharon? Mais je n'ai que 400 ans! Et moi, je n'ai que 380 ans! Nous sommes jumelles, tu ne peux pas avoir 380 ans! T'es devenue sénile! Quoi, c'est moi la sénile cosplayer? Oula, oula, vous êtes... J'ai plus le temps de vous parler, hein. De vous lire. T'es sournoise. T'es mesquine. Et, allez, allez, c'est bon. Allez vous bagarrer au paradis. En tout cas, moi, je suis sexy. Pardon, j'ai pas pu. Et où mon cœur de mon cœur. Je vais le récupérer avant pour arrêter ce bip-bip incessant là. Et du coup, on a fini le dernier temple avec le dernier sage. Purée. Il nous reste qu'un truc et c'est bientôt la fin. Encore une fois. Sanctuaire des sages. Oh, Nabolu. Merci, gamin, du fond du cœur. Regardez-moi ça, le gamin est devenu un grand guerrier. Au fait, excuse-moi de t'avoir attaqué. J'étais sous le contrôle des sorcières et sous les ordres de garde d'Odof. Pouah. Toute cette histoire est incroyable, non? Moi, le sage de l'esprit, c'est à mourir de rire. Mais en tant que sage, mon devoir est désormais de combattre. Ma vengeance sera terrible. Yeah! Gamin. Non. Link, héros du temps. Je te remets ce médaillon, le petit bisou sera pour plus tard. Prends soin. Et du coup, on récupère le dernier médaillon des six sages. Une grande aventure, dis donc, qu'on aura passé. En tout cas, même si ce let's play n'a pas été vu par grand monde, ou sera peut-être pas vu par grand monde, moi j'ai passé un super bon moment à refaire ce jeu, et je suis toujours aussi fan en fait, tout simplement. Et je compte faire d'autres Zelda, tout simplement, parce que j'aime cette série, et pour rien au monde, j'arrêterai en fait. Donc, je continuerai. Tu es devenu beau et fort. J'aurais dû tenir ma promesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Link est un homme à femme, dis donc. Link, le héros. Enfin, les six sages sont éveillés. L'heure est venue pour toi de défier le seigneur du mal. Du malin, pardon. Mais avant de croiser le fer avec le vil des Arnodoff, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au temple du temps. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là pour ce 12e épisode. J'espère que ce 12e épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans la barre des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mei, bye tout le monde, à bientôt.